Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. Maman, le temps de l'heure. Le temps de l'heure, maman, le temps de l'heure. Bonsoir, mes sistous. Merci, y'a pour les cœurs, au moment les cœurs, vite, vite, comme ça, là. Hé, hey, la team Asda, vous êtes fort. Coucou, la team, vous êtes là. On est dit, on cause un peu, non? On cause avant d'aller dormir. On tape un peu les japap. On tape un peu les commentaires. Bonsoir, bonsoir, François Ngono. Bonsoir, maman chérie, comment tu vas? Pamela Fana, bonsoir. Sila Drissa, bonsoir. Bonsoir, Sila, comment tu vas? Bonsoir Kira L, bonsoir ma chérie. Bonsoir mes amours. Ah, pas c'est moi le direct, non. Pas le direct, maman, le teint de l'heure, les filles. Ah, moi le teint de l'heure, maman. La reine galoise au naturel, c'est de ça qu'il s'agit. Maman, et... si les rassas, c'est mon grand, mais je vais enlever les bêtises. Arrête les cannes, je vous la dis. J'ai rien, ça devrait tomber sur mon corps, déjà. Laisse-moi, mais pour un peu changer. Edmond Bibiani, bonsoir. Bonsoir Odesso, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Partagez le direct. Partagez, envoyez les cœurs. Vous savez que la page est restreinte. Partagez, envoyez les cœurs. Pour que les autres quotas voient que je suis en direct. Partagez. Ça me partage mes quotas. Mes abonnés vont savoir que je suis en direct. Vous savez, je n'annonce pas les je n'annonce pas mes directs. Donc du coup, beaucoup ne connaissent pas que je suis en direct. Pardon, partagez. Partagez, partagez, mes chéris. Bonsoir, Katia. Katia Loubaki. Bonsoir. Bonsoir, Rosine. Bonsoir, Rosine Flore. Bonsoir, ma chérie. Partagez le direct, mes amours. Partagez le direct. Partagez, 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 partagez. Partagez. On va un peu causer. Si vous êtes fatigué, on va pas dormir. Partagez, non. C'est vraiment... partagez, 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 on tape les commentaires. Bradley dort. Et Luther est en week-end chez son papa. Donc je suis là. Partagez, partagez, partagez. Ouais. Non, je ne veux pas partager pourquoi. On signale déjà encore. Vous savez, il ne voit plus les cœurs, il ne voit plus rien. On signale déjà. On signale. Il n'y a plus de cœur qui circule, rien du tout. Vous ne commentez plus. On signale déjà encore. Franchement. Mais qu'on partage, non. Ils ont plus connecté. Ouais, la page, c'est le problème. Pas le patalier. Je vois plus de commentaires, je vois plus de cœur, rien. On ne montre plus rien du tout. C'est stack. C'est comme ça, là. Pas de cœur, pas de commentaires, rien. Voilà, ça, ça a repris encore. Christine Emma, bonsoir, Christine. Judith Kazé, bonsoir. Oh, Claire Ganchou, maman chérie, comment tu vas? Bonsoir. Ah, Iris Vegas, ah, la team qui est là. La team Asda est là. Iris Vegas est là. Oui, la team Asda est là. Elle a demandé comme lui. Ouais, Christine Emma, pourquoi tu reprends même la veille? J'ai même ignoré le commentaire là, ma soeur. Tu m'as fait, j'ai même lu ça là. J'ai ignoré le commentaire là directement.
Vous savez qu'il y a les gens qui ont les cornes sur la tête et sur les réseaux sociaux. Donc nous on les esquive, non, pour ne pas commettre l'adulté chaque fois. Je vais en dire parler n'importe quoi. Nous on les esquive. Et elle dit, mais moi même ça, il ne nie plus moi. Mais pas sur ça. Pour éviter de raconter des histoires à deux balles. Tu es fatigué, ma reine. Non, ma. J'ai fait quoi, maman? Elle n'a pas les dons aujourd'hui. J'ai encore fait quoi, mes cours? J'ai amené les enfants se balader. Tout et tout là. Et la pollution est partie chez son père là-bas. Moi, je suis rentré à la maison là-bas. Ça, c'est bien fait. Je suis là. Mon grand frère était là. On a mangé à la maison. Et il est parti. Donc, je suis moi là. Je lui avais parlé, mon petit frère. Mes chéris. Maman, il y a certains restaurants ici au Cameroun qui le restaurant prépare bien, mais les serveuses de la restaurant peuvent chasser les clients. Maman. Eux m'ont dit ici à African Food. African Food d'Emi. Emi qui l'a, Emi Basson là. C'est quoi? C'est qui a joué dans 2 avril là, non? African Food. Envoie les cœurs pour ne me signale pas. African Food d'Emi Basson là. Ce qui a joué dans 2 avril. Ma mère, la femme là a un restaurant, mais quoi? Elle a un restaurant en face au glacier. Parle du glacier moderne, Boulamou Sadi. C'est pas la blague. Emi Basson, tu peux pas bien, ma soeur. On cuisine bien chez elle. J'ai découvert le restaurant là hier. Je suis reparti aujourd'hui. Elle est ma famille. Je suis allé là-bas manger. J'ai été invité par Tania Maud. Notre institut de beauté, first class. Notre institut de beauté, VIP. Tania Maud, situé au Carrefour Maison Blanche, comme on nous a dit. Tania Maud, celle-là qui ne fait pas la n'importe quoi. J'ai été invité par elle hier, chez African Food. Mes amis, les frères et sœurs, nous sommes partis chez Poupi là-bas à Pamara, ou bien c'est Pamara qu'on appelle l'eau. C'était en gros, il y avait encore les travaux là, il y avait un peu de choses, tout et tout là. Je lui ai proposé qu'allons à African Food, chez Emile Basson. Mais qu'il faut que je parle ici là, pour que ça entre un peu les oreilles d'Emile Basson là. Mes copines, quand vous faites souvent vos business ici là, quand vous recrutez souvent les serveuses, recrutez les serveuses qui ont appris quelque chose, qui connaissent ce qu'on appelle l'accueil. Recrutez les serveuses qui vont vous faire entrer de l'argent. Parce que ma cause, c'est pas parce que tu es mis basson. Si tu répètes beaucoup, les personnes ne viennent même plus là-bas chez toi. Pourtant, tu ne peux pas bien, c'est la mort. Pourtant, tu cuisines bien là-bas. C'est pas le on parle là. Mes copines, là-bas, la nourriture, c'est le hélélé. Tu as compris, ma. Mais les serveuses là-bas peuvent faire tu rentres si tu ne manges pas. J'ai dit ça, Rora. C'est la reine Galoa. Je vous ai dit que je vais faire un direct sur vous. Il ne faut pas faire que les gens fuient cette place-là qui est moins chère. Elle fait les plats de repas à African Food là. À prix de rien du tout. 2500, 3000. Mais elle est géniale. Tu manges la sauce d'arachide là-bas, c'est toi qui as préparé à la maison. Tu manges le kousousou gombo là-bas, c'est la magie. Le mbongo tchobi, c'est la longue relève. Le Mbongo Chobi, c'est Hélène. Oui, Edmond de Bibiani. Cabrel Pinjou, je n'ai pas vu Cabrel. Comment tu vas? Je peux avoir votre numéro. 00237-675-38-70-93. 00237-675-38-70-93. 0044-78-88-87-52-94. 00237-674-53-05-79. L'accueil est important. Bayano Park, sur le Japap. Je suis dans un petit Japap maintenant, la Bayano Park. C'est que j'ai vécu à Douala. Parce qu'il faut que je parle pour que ces personnes-là ne perdent pas la clientèle. Maman, on arrive à African Food là-bas hier, maman. J'étais partie à African Grill. C'est toi qui est African Grill. African Grill, c'est la magie là-bas avec l'accueil là-bas. On t'accueille là-bas jusqu'à... On est toujours à ton service, tout comme ça. Mais African Food,
qui est à côté de Glacé Modèle là. Mais Dieu, je pense aussi là-bas que nous allons un peu voir, faire la rester à notre soeur là, non? On est parti loin, loin, loin à la prison. Parce qu'on passe souvent manger aux fouquettes. On va tout manger aux fouquettes, 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 fouquettes. J'ai dit à Taya Moto, ouais, allons à African Foot aussi. Apparemment, elle ne peut pas, elle cuisine bien. Parce que African Foot là, allons un peu voir. On arrive à African Foot, mec, hier là, il faut que je parle. Hein. Peut-être en parlant, elle va dire aux gens là, de changer un peu. Elle va dire à ses filles là, de changer. Maman, maman, il faut recruter les gens, il faut recruter les filles, les bonnes serveuses dans ton restaurant là, Mako. Parce que tu cuisines bien, hein, Amy. Ce n'est pas la blague, hein. Tu cuisines tellement bien que tu peux avoir même plus de monde parce que même dehors, même il n'y a même pas place là-bas. Mais le genre de serveuse que tu as là, Abakou taquine tes mamans, Jean. Mon bout table. Mais tu n'y as. Tu arrives d'abord là-bas, même d'abord, maman. On ne te salue même pas d'abord. Hein. Tu cherches toi-même ta place, tu vas t'asseoir. Quand même, c'est une star quand même. Amy Basson, c'est une grande star. C'est un personnage. C'est une star du cinéma camerounais. C'est une grande star au Cameroun, en Afrique. C'est pas n'importe qui. Faut pas que les gens arrivent là-bas, on voit une image bizarre. Pourtant, la cliente devait être satisfaite et tout. On arrive d'abord là-bas. Tu vas chercher ta place toi-même d'abord pour t'asseoir. Et quand tu cherches la place pour t'asseoir, ma... Pourquoi la serveuse vient sur ta table te demander ce que tu dois manger, te présenter la carte de nourriture? Ou bien c'est même le défilé, le mode là-bas. Mange bien les gars, maman. Mange bien maman, comme un bon volant. Dis-le, pourquoi c'est un défilé de mode, on reste un qui sur ça. Bon coup, un Dieu, que soit un Dieu. Un coup, que soit. Tu ne sais même pas ce qu'elles font, hein. Maman, hein. Un coup, un soir. Un coup, un soir. Tout le quoi que tu as bien, Dieu. Deux mois. On croit que Dieu, Diabola, un grand Dieu. Je suis resté, je les observe. Vous savez, je suis une ancienne serveuse à la cigale à Bonanjo. 3 ans de service à la cigale. L'un des plus grands restaurants de l'Afrique centrale à l'époque. C'est pas tout le monde qui mangeait à la cigale. Je suis une ancienne serveuse. J'ai servi à la cigale à Bonanjo. J'ai servi à Londres au Black and White avec cigale à Londres. J'ai servi chez maman Mina, le Palmis restaurant à Dalston à Londres. Je suis une ancienne, c'était mon métier. Donc quand j'entre dans le restaurant, je me retrouve. Quand j'entre dans un restaurant, je me retrouve. Même au bar, si on me met dans un bar, faire les cocktails là, je suis championne. Parce que c'est ce que je faisais avant. C'est mon domaine. La restauration, c'est mon domaine. L'accueil, là. Voilà pourquoi même quand les gens arrivent aux actions sociales, ils disent que ben, c'est pas possible. Ton accueil, c'est grave. J'ai appris ça depuis là-bas. Le service que j'ai eu à faire. Mes amours de frères et sœurs, je me suis assise d'abord. Polie, hein. Je m'assois. La fille, elle se lève. Elle part ici à gauche. Elle, il y a l'autre client qui attend. L'autre client qui attend. Tout on attend tout ça. Elle va, elle nettoie la table. Elle nettoie la table. Kumbaya. Oh mon mitonya. Mitonya. Elle nettoie la table. Elle nettoie la table. Elle nettoie la table. Elle monte à la, elle entre à la cuisine. La porte fait kick. Elle entre. Elle sort. Elle va au bar. Elle ne faudrait pas faire comme ça. Elle revient pour nettoyer la table. Oh mito, mito. Après 15 minutes d'attente. Allez, ma chérie. Je me suis levée en tant que hôtesse. Hôtesse à mon époque. À mon époque, c'était pas n'importe qui. Hôtesse à mon époque. Mais je veux dire, j'ai pris le travail à moi. Je dis, maf. Que ma chérie, qu'est-ce que vous faites là? Nous sommes assises là depuis. Il y a des clients qui attendent là. Je suis venue la patronne là-bas en quelques minutes. Elle a fait comme ça. Eh oui! Regarde-moi bien, tu te prépares aussi. Hein? Parce que je me lève maintenant pour te donner les leçons du service. On ne sait pas comme ça. Tu chasses la clientèle. Elle dit que j'arrive. Elle dit que, non, tu laisses ce que tu fais. Tu viens prendre le menu. Tu prends le menu, tu donnes à la cliente, au client. Tu prends le menu de le client. Le client te fait un signe, tu reviens sur la table.
Tu prends le menu, tu prends la nourriture, comment on appelle là, le menu, ce que les clients veulent manger. Tu vas passer la commande en cuisine. Pendant qu'on prépare le repas des clients, tu as le temps d'aller nettoyer les tables les tables qui sont sales. Tu as le temps d'aller nettoyer. Risto, comment tu vas, mon petit frère chéri? Sabine, Redmer, bonsoir. Tu as le temps d'aller nettoyer les tables. Tu ne peux pas être là que les clients sont assis. Tu te préoccupes d'abord à nettoyer les tables. Est-ce que c'est les tables qu'on est venu nettoyer? Est-ce qu'on est venu nettoyer les tables dans un restaurant? On est venu faire entrer l'argent dans le restaurant. On fait entrer les dos, le pognon dans le restaurant. Donc, ça veut dire que quand le client est là, si la table est sale et qu'il n'y a pas l'autre serveur, tu es seul. Prends le temps d'aller vers le client. Tu prends la commande du client. Tu laisses à la cuisine. Pendant qu'on prépare la nourriture des clients, tu demandes au client qu'est-ce qu'il veut boire. Le client te dit ce qu'il veut boire. Tu sais les clients qui sont déjà d'abord là. Et maintenant, tu rentres maintenant. Fais ton nettoyage rapidement avant que d'autres clients n'entrent dans au restaurant. Mes chers frères et sœurs, je suis une ancienne serveuse. Donc c'est mon domaine, je connais ça. L'anganose, elle ignorait. Hein? Elle nettoie la table. Elle nettoie la table. Elle porte les assiettes. Elle nettoie. Maman, tu nettoies quoi sur la table? Viens d'abord prendre la commande. C'est ça qui est important. Si madame voit ça, elle va se fâcher. Oh purée de merde. Madame ne connaît pas ce qu'on appelle le service, alors elle ouvre un restaurant, mais elle n'a pas été formée ou quoi. Elle ne sait pas ce qui se passe dans la restauration. Quand vous ouvrez les restaurants, il faut connaître ce que vous cherchez. Madame ne va se fâcher, madame connaît. Donc ça veut dire que madame ne connaît pas ce qu'on appelle la restauration. N'ouvrez pas le restaurant parce que vous voulez avoir l'argent. Hein. Allez d'abord vous former avant d'ouvrir les restaurants. Hein. Formez-vous d'abord à ouvrir les restaurants. N'entrez pas dans les restaurants parce que vous voulez ouvrir les restaurants. Ou bien vous recrutez. Vous recrutez des je ne sais pas quoi. Parce que vous voulez recruter ces bancs. Pour chasser votre clientèle. Mes chers frères et sœurs, quand elle est venue prendre la commande là, elle a déposé, on lui a dit. La fille était au bas, elle dit que mais prends la commande non? Tu nettoies quoi? Prends la commande. D'abord, il y avait des gens. Donc, c'était mal organisé. Prends la commande. Comment tu fais ça? Va prendre la commande. Quand elle vient prendre la commande sur la table, elle va déposer à la cuisine. L'autre client qui est là attend encore. Elle repart encore au nettoyage. Mais tu n'y as. L'autre client, personne n'est venu prendre ma commande. Mais l'autre client, la femme qui était assise là. Et le couple qui était de l'autre côté, elle est repartie où? Encore pour nettoyer, finir le nettoyage, laisser encore les autres clients là. L'autre dit, mais madame, c'est comment? Il n'y a pas de menu ici là, c'est quoi? Il y a quoi? Qu'elle se réveille encore qu'elle va aller donner le menu au client là. Maman, l'autre femme était à côté, elle dit à son gars que on va aller manger ailleurs. L'accueil n'est pas, c'est pas, ça ne donne pas ici. Donc, Amy, ma sister chérie, je voulais te parler ça en direct. Je voulais te dire ça en direct parce que beaucoup de gens vont se reconnaître que oui, ce que je dis, c'est la vérité. Tu as un très grand restaurant à Bonamou Sadi. Et ce restaurant peut t'apporter encore plus de fortune parce que tu cuisines tellement bien là-bas, ma chérie. Tu cuisines tellement bien là-bas. Le repas là-bas, il n'y a même pas. Donc, je ne sais pas. On dit que. Mange comme chez toi, tu te sens vraiment à la maison. C'est même plus que la maison. Tu peux pas tellement bien. Mais tes serveuses là vont te chasser les clients. Oui, tes serveuses vont te chasser les clients. Elles ne sont pas accueillantes. Et de deux, elles frustrent trop. Toujours la face attachée comme cela. Vous savez qu'elle est, Meko. Vous savez qu'elle est. Pour qu'un client mange au restaurant et qu'il soit content, c'est ça. C'est le sourire, hein? Le sourire de la serveuse. Une serveuse qui dit, maman, ça fait que tu perds même l'appétit. Maman, envoie les cœurs dans les filles. Parce que moi, je n'aime pas faire les directs souvent. Même avec vous, là. Vous ne m'envoyez pas les cœurs, pourquoi? On a dit signaler, envoie les cœurs, mes amours. Vous me regardez, vous n'envoyez pas les cœurs. Je ne sais pas quoi, vous n'envoyez pas les cœurs. Elle a l'esprit de quoi là? Dormance ou quoi? Je pense que c'est une serveuse pour la plonge. Maman,
envoie les cœurs et partagez mes amours. La reine galloise, il y a au cœur. Il y a aucun comment. Fatou Star, comment tu vas? Bikissou Ousmane, bonsoir. 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 Tu as écrit en arabe, je crois, parce que tu me dis. Bonsoir. Salam alaikum. Allah Akbar. Qu'est-ce que je disais là, mes chéris? Vous savez qu'Emma, si je viens parler en direct, c'est pour sensibiliser Emmy. C'est pour parler à Emmy. Parce que parler derrière, c'est pas bon. Je parle en direct pour attirer l'attention d'Emmy. Qu'elle doit mettre, parce que avoir un restaurant et que tu prépares bien, tu cuisines bien, parce que la femme la prépare. Non, c'est pas la blague, les filles. J'ai mangé là-bas hier. C'est pas la blague. Quand on a commandé la nourriture, le repas est venu. Merde, j'ai mangé jusqu'à ce. La femme, si c'est comme ça, là, je reviens encore. Je vais revenir. C'est moi pour la nourriture, là. Mais si c'était pour la serveuse, je ne revenais pas. Maman Karine Gaï, bonsoir, ma sister d'amour, bonsoir. Si c'était pour la serveuse, là, je ne revenais pas. Parce qu'il y a parfois, quand tu vas au restaurant, tu vas dans un restaurant, la nourriture peut ne pas être bonne là-bas. Donc, tu ne manges pas mal, tu n'es pas satisfait. Mais l'accueil fait à ce que tu reviens. Tu dis non, il y a un restaurant là que les filles là-bas sont accueillantes. Non, là-bas, c'est la magie. Tu repasses seulement pour toujours continuer à manger. Pourtant, tu sais que ça ne donne pas. Mais tu vas continuer à cause de l'accueil. L'accueil. Marie, tu as raison. Il y a des endroits où tu entres et tu reviens seulement parce qu'on t'avait bien reçu. Ah, voilà, c'est Christine et Emma. Tu as vu, non? On parle la même chose, Christine. Tu as vu? Il y a des endroits où tu pars, tu reviens à cause que c'est l'accueil qui t'a, que c'est l'accueil là qui t'attire. Les filles là sont comme ça, maman. Toujours en train de parler. Dès que tu poses une question, oui, ça arrive, madame, ça arrive. Mitounia. Dès que tu poses une question, mais quand tu manges dans les endroits comme ça, qu'est-ce qui te fait avoir le pouvoir pour boire? Le pourboire là qu'on donne là. Le pourboire. Après le. Moi, quand je pars dans un restaurant, je laisse toujours le pourboire. Je laisse toujours le pourboire dans le truc parce que j'étais serveuse. Tu connais ce que c'est? Moi, la cigale là-bas, quand je travaillais à la cigale, mes chefs. C'est là-bas. C'est quoi? On va te coucher, tu dors. Il y a quoi? Quel est ton problème? Oh! Moi, quand je travaille à la cigale, quand je requiers à la cigale à Bonadio, mes chers frères et sœurs, envoie les cœurs de mes bébés. J'avais souvent le pourboire de 100 000. 100 000 francs que le pourboire, 100 000, les 50 000, les 35 000. Que le blanc est comptable. Pas aller coucher avec le blanc. Hein. C'est même comme je sers là, comme ça là. Le service que j'ai fait au blanc. Même à nos pères, nos autorités qui sont entrées là-bas. La façon dont je prends. Oh là là! Oh! Vraiment! La façon dont je fais à Zumbo quand je sers. Maman, si tu n'avais pas envie de me donner 5 francs, maman. Tu vas te. Donc, la façon dont je t'accueille, la façon dont je te mets, je te fais t'asseoir, je cours comme ça pour ta nourriture. Et c'est pas seulement une personne, hein. S'il y a même 15 personnes qui entrent, je suis comme ça. Je rentre, mais souvent, avec les 500 000 francs. Je n'étais pas obligé d'aller faire la nourriture à quoi. Je n'étais pas obligé de sortir avec le blanc, d'aller avec le blanc, coucher avec le blanc, pour que le blanc me donne l'argent. Non. Je n'étais pas obligé de le faire. Parce que même c'est même ma façon, à Zumbelon, que je faisais aux clients là-bas. C'est mal à la fin de la soirée, vous pouvez me rentrer avec 400 000 francs chez moi. À la cigale à Bonanjo, pas le restaurant Bracater. Parce que quand j'ai dit 400 000, vous avez dit que maman, que c'est quel grand déjà de restaurant de 400 000 pour boire. Oui, au restaurant à la cigale où les pétroliers entraient. Où les pétroliers hein, entraient tout et tout là. Les hôtesses tout et tout, les gouverneurs entraient là-bas. Ce n'est pas des bons restaurants. C'était toujours la façon dont je recevais les clients. Mais on me gâtait là-bas seulement. On me gâtait là-bas. Maintenant qu'on a fini de manger, on nous a servi, qu'on a commandé la nourriture, on nous a servi. C'était tellement bon, tout et tout là, tout ça là. Pour donner le pourboire. Hein. On a dit qu'on ne peut pas donner le pourboire, maman. Parce que c'est moi-même pour nous, nous répondre, mais pour nous accueillir, mais c'était d'avoir pas un problème. Ça veut dire qu'on venait seulement commander la nourriture. Pourtant, on vient payer la nourriture avec l'argent. Maman, on repart encore là-bas aujourd'hui. Jamais la famille là-bas encore aujourd'hui. Hey, changer. On sait que votre star a l'argent. On sait qu'elle a les dos. Que c'est riche. Elle a les dos jusqu'à le restaurant. Elle a les dos.
Même quand tu as les dons et que tu décides d'ouvrir un restaurant, c'est juste pour faire du bien aux gens. C'est juste pour montrer ta capacité dans quoi tu peux aussi faire. La cuisine, c'est comme l'art. La cuisine, c'est comme l'art. Donc, c'est nourrir les gens. C'est une bénédiction. Même quand les gens payent là, nourrir les gens, c'est une bénédiction. Donc, ne voyez pas parce qu'il y a une star, vous faites le genre compétent, les gens sont obligés de venir. Hein. Les gens ne sont pas obligés d'arriver là-bas. Mes chers frères et sœurs, je suis reparti aujourd'hui avec ma famille. Hier, c'était hier. Aujourd'hui, je repars pour vous encore, avant de faire le direct sur Dieu. Je repars pour vous un peu comment ça se passe, comme si ça va se répéter. Envoie les cœurs, non. Les gens, ils n'envoient pas les cœurs. Vous n'envoyez pas les cœurs, pourquoi? Oh, s'il y a le direct, oh, s'il y a le direct. Ça me dérange, pardon, j'en ai pas ça. Ça me dérange. Meko, je repars encore là-bas aujourd'hui avec ma famille. Maman, les rastas, ça me dérange, c'est vraiment de l'allergie. Hé, mes copines, il y a là où je mets les rastas sur moi, ça me gratte seulement, maman. Je mets les rastas sur moi, ça me touche, ça me gratte. Ça me gratte, ça va et ça me gratte. Donc, ce qu'on dit, mon corps va se voir maintenant être seulement que. Ferme la porte, là. Sans mon corps veut seulement être maintenant que naturel seulement. C'est le naturel seulement, maman. Je vais me le dire artificiel maintenant, souvent ça ne donne plus. Voilà, maman Simon à Tangala. Cuisiner, c'est un art. Il y a l'art de. Ce n'est pas. C'est même pas tout le monde qui cuisine. Les gens, ça attire les gens. C'est pas tout le monde. Il y a des gens qui font la cuisine jusqu'à. Ils ont des grands restaurants. Grands restaurants là. Tu cuisines jusqu'à pour toi bien, mais les gens ne viennent pas dans ton restaurant. Franchement, cette femme cuisine. Cette femme, j'ai même. Je vous dis non. Iguari Solange, bonsoir. Fatou Star, ça, bonsoir. Albertine Maze, bonsoir. Pardon le direct et envoyez les cœurs, maman, pardon. Maintenant, aujourd'hui, là-bas, hier, là, malgré qu'on m'a reçu, on nous a reçu très mal. Malgré qu'on nous a reçu très mal, vous avez vu que je n'ai pas baissé les bras parce que le repas était bon. On nous a reçu très mal. Mais le repas était délicieux. Oui. Le repas était la magie. African food. Je conseille à tout le monde qui sont ici au Cameroun. Si vous voulez même aller manger, vous, si vous êtes d'accord là, vous ça dit. Allez là-bas manger, maman. Elle ne peut pas trop bien. Ce n'est pas la propagande. Moi, mais j'ai mangé là-bas. Et c'était la première fois hier. Parfois, même quand l'accueil n'est pas bien, tu essaies encore de repartir. Quand le repas est bon. Afi, comment tu vas, Afi? Bonsoir. Tu repars quand le repas est bon. Donc, hier, je suis parti là-bas. La queue était désagréable. Mon Dieu! Mon Dieu! Depuis quand les clients sont assis? Les clients sont assis. Mais tu nettoies d'abord la table. Moi, je tenais le restaurant La Cigale. Que mes collègues ne sont même pas encore arrivés au travail. Je tiens le restaurant jusqu'à 22h, maman. C'est pas pour rien que mon ex-patron, Georges Chamas, me gardait là-bas. Qu'ils sont même passés en Europe, ils ont failli devenir bêtes. Qu'ils ont perdu une personne. Je dis, je partais. Le client doit être satisfait. Parce que c'est ça qui attire, qui fait que le client revient encore demain. Et mes chers frères et sœurs, je m'assois d'abord, je dis que hier là, le service était nul. On reste, on attend, personne ne vient même nous proposer la carte. Elle est en train de nettoyer la table, elle nettoie la table, que madame, si madame voit ça là, madame voit par la caméra, la table est sale, elle aura des problèmes. Mais ce serait même madame n'est pas professionnelle, elle ne connaît rien dans la restauration. Ce serait madame ne connaît rien. Parce que si madame dit que si la table est sale, la table, ça, elle aura des problèmes. Et que les clients sont là, ils attendent. Ça, madame aussi, elle cherche à le quoi. C'est l'argent qui va rentrer dans la caisse, ou bien c'est la propriété de la table qui est importante. Ils ne feront pas sa commande du client. Parce qu'à la fin, le client va payer l'argent qui va rentrer dans la caisse. Et c'est grâce à ces argent qu'on vous paye, qu'on paye les factures de restaurant. C'est grâce à cet argent que le restaurant évolue. Hein, mes chers frères et sœurs. Voilà mon domaine. S'il arrivait même que j'ouvre un restaurant, je fais un business ici dans ma vie, ça serait la restauration, parce que c'est mon domaine. J'aime servir les gens.
J'aime préparer pour les gens. J'aime accueillir les gens. Ça, c'est mon domaine là-bas, définitivement. Parce que j'étais dans ça. Mes copines, hier, c'était hier. On repart. J'appelle Tania Maud. Ma co, on va manger, non? Est-ce qu'on va ailleurs? Je dis non, maman, on ne peut pas aller ailleurs. Parce que là-bas, chez la femme, là, chez Emine Dangler, Emine Zan, comment Emine Masson? Ah, Emine, que dis-moi? Emine Basson. Chez Emine Basson, là. C'est la magie là-bas. Tu vas aller à quel ailleurs? Allons voir le menu d'aujourd'hui là-bas. Mes copines, je prends ma soeur, mes deux soeurs, ma Tania Maud. Je prends notre ma soeur qui est la grande soeur de Tania Maud. Je prends mon grand frère. Je prends mon cousin. Tous, nous allons là-bas. Combien de personnes? 4 personnes que j'amène là-bas. Plus moi, ça fait 5 personnes. 5 personnes. Vous n'avez pas vu que je suis bien les filles. Vous ne voyez pas que je connais aussi, on peut dire ça, je connais encourager. J'amène 5 personnes là-bas aujourd'hui. J'ai mis dans African Food. Quand j'amène 5 personnes là, quand on ouvre la porte à terre, on entre encore. C'est pareil. D'abord, tu vas là-bas, l'autre. Allez, quoi, qu'on fasse attacher. Tu ne sais pas pourquoi ça fasse attacher, Emma. Ma reine, madame, même doit recruter. Oh Sabine, maman Sabine, oh mais là, où sont ses cousines qui reculent tôt? Oh mais c'est les filles du sous-quartier du Nyamton qui la reculent tôt, il ne sait pas moi. Mais ça, c'est pas les filles qui connaissent, elles ne connaissent rien dans le marketing. Et s'il vous plaît, hier là, quand les clients attendaient, l'autre était en train de nettoyer la table là. Et il y avait deux au comptoir. Deux filles au comptoir qui ne faisaient rien. Tu ne peux pas être là, même si tu veux ta place au comptoir. Et que les clients entrent au restaurant. Toi, tu restes toujours au comptoir là, comme ça là. Si ta collègue est occupée, toi-même qui es au comptoir là, tu peux venir faire le travail. C'est comme ça que ça se passe. Hé, la souris là, pas où? Yam, mais non. Audrey. Yams. Yam, hein. Hé, mon petit frère, venez dormir déjà. Oh, mais tu es là. Aïe, aïe. À toi, aïe.
Non, il est parti là-bas sur la porte là. Sur les rideaux. Ah mon leur baissou. Ah mon leur baissou. C'est une personne. Est-ce que tu as petit souris là? C'est tout la petite souris là. Bien, tu vois, voilà, c'est là. Ah mon petit souris là. Elle va ressortir ici là bientôt. Il y a toi aussi, il y a un peu là-bas. Il n'y a même pas, une issue que tu peux. Tu vois, elle courait, comme ça là. Comme c'est galopé, je trouve le cheval, comme ça. Goum, goum, goum. Elle voilà comment elle courait, comme ça. Comme ça là. Hey! Non! Maman. Alors c'est manger, ben c'est pas tout. Bonsoir ma reine galloise. Maman Nadine Malouta. Une souris, maman. Une petite souris musclée. Avec les nattes sur la tête. Une petite souris avec les nattes et le rouge à lèvres. Ah mon doigt là. Oh doigt là oh. Elle avait les matomans sur la tête. Et les nattes. Petite souris avec le rouge à lèvres. Maman. Ah mais c'est... Eh, hey, pardon maman. Eh, hey, maman. Yeah. Maman, est-ce que la patronne de Tania Mode a récupéré? Non, chérie, elle n'a pas récupéré. Mes chers frères et sœurs, je retiens... Eh, hey, maman, Géraldine Choudou, maman, les souris. Petite souris avec les nattes sur la tête, maman, avec les matobans, avec les passe mèches et le rouge à lèvres, ya, l'orbeau, ya, ya. Maman, on voit du sel. Moi, tu as même versé le sel partout, hein. Maman, on va verser le sel, ils vont revenir maintenant nous attaquer, vrai, la nuit. Pardon, laissez-le comme cela. Chanta Rena, bonsoir, tu vas tomber enceinte. Tu vas tomber enceinte. Eh, mitounia. Quand j'ai pu la grossesse dans l'eau, papa. Ah bon, là, pour qui là? Pauline qui? Pauline Sarah. Bah. Je vais tomber enceinte que j'ai bu la grossesse dans l'eau. Et bien, je ne fais pas la moitié tomber enceinte. Tu savais que j'ai porté la grossesse ici, mon père. Ha! Je vais tomber enceinte comment, là, Pauline? Donc, je ne fais pas l'amour, je tombe enceinte comment? Je ne fais pas l'amour, je tombe enceinte comment? Moi, je ne fais pas l'amour ici, papa. Ne le tuez pas, dites-lui d'aller ailleurs. Non, on ne va pas le tuer, il m'a suivi. On va le faire sortir là. Je ne peux pas tuer. Moi, tuer la souris là pour moi, c'est commettre la vulgaire. Yam, non? Yam. Tu as fini. Oui, bien, il va venir du rang sur le lit maintenant si on ne fait pas ça. Il est déjà, non? Moi, j'ai déjà prié sur ma maison jusqu'à... Donc, quand tu entres chez moi, si tu ne sors pas, toi-même, tu sors... Ouais, Floriane Guida, Guidem. Qui avait tombé enceinte, toi qui a mis la grossesse. Je sens une personne qui a avec les passe-mèches. Maman! Souris, souris, ma tombe d'un côté, passe-moi de l'autre côté avec les traversées à l'autre côté, plus rouge à lèvres. C'est la présence de la souris qui signale la grossesse. Non, maman, ça n'est pas c'est la grossesse, ça c'est le caractère. Ça c'est doigt là de souris. Ça c'est doigt là de souris, mon père. Ma Pauline, ici à doigt là c'est la souris. C'est souris lande. Doigt là c'est souris lande. Même les plus grosses maisons de doigt là, où il y a le rose stand, il y a tout souris dedans. Ici là c'est la souris lande. Quand on dit souris lande. Voilà, c'est ça.
Donc maman sera, sera tout doigt là tombe enceinte à tout moment. Sera tous les femmes de doigt ici à doigt là tombe enceinte. Parce que je dis même les plus grosses maisons. Les grosses maisons, le Jacques, le high level, ont toujours des souris dans la maison là. Ça fait que les gens vont tomber enceinte à tout moment là. Sont ces bancs enceintes, toutes les filles de Douala sont enceintes. Parce que ici c'est souris lande. Douala c'est souris lande. Tu me fais peur. Je réfléchis un instant. Oh non. Géraldine, je parlais du restaurant de notre star, Emi Basson. Emi Basson, notre restaurant là, non. Notre soeur là, non. Macron Géraldine, je suis allée manger là-bas hier, maman. La réception était qu'elle, maman. Étaient donc les filles qui travaillent là-bas. Elles ne sont pas accueillantes, même un peu. Elles ne sont pas accueillantes, même un peu. Méprisantes. Pas seulement ce client, hein. Tous les clients. Tu arrives là-bas, on ne vient pas avec toi, là. Pff, jamais. Et même quand on vient avec toi, ça fait le visage bizarre. C'est comme si tu venais commander la nourriture chez Minda, maman. Sans que je venais seulement commander la nourriture au restaurant là. Et la femme la prépare bien, ça me fait mal. Elle est grosse souris. Hein. Elle est grosse souris. Hein. Oh, Alette Bonga, bonsoir maman. Maman, envoie les cœurs à la reine Gaga, envoie les cœurs, pardon. Mes copines, quand tu vas manger ces émis d'âme là-bas, African Food, c'est comme si tu es entré là-bas pour dire pardon, donnez-moi la nourriture, je mange. Sauf si tu ne venais pas seulement payer la nourriture là-bas, maman. La réception est très nulle. Audrey, oh. Voilà, arrête le ventilateur, c'est là, dans le rhume. Ça me donne l'allergie, pardon. Je suis ventilateur, moi, elle fait allergie. Oui, il m'a un gros rhume, non? Ah, elle va alléger. Elle nous manque en fait de soi. Ma copine chérie, tu ne dors pas. Elle ne dort pas, maman. Tu dors, maman. Elle ne dort pas. L'idée est partie en week-end chez son père. Je suis avec Bradley. L'idée est partie profiter du week-end chez son père là-bas. C'est le moment où parti. Allez, dire un peu de sang là, non, je me repose. Je tape les commentaires avec vous, après je dors moi, non. Là, mes copines. Va parler qu'il va dormir, parce que l'oncle va partir dans sa chambre là, après il m'a rejoindre au lit. Au lieu qu'il va sortir, aller monter, descendre dans le doigt là. Non, moi je reste moi à la maison. Donc ma nouvelle crème qu'on m'a donnée, je monte avec Jean, ce qui est maintenant sur ma peau. Je vais mourir avec. Ma nouvelle crème là, qu'on m'a prescrit là, ma gamme là, pour ma peau là, pour rafraîchir ma peau, vous allez voir, il n'y a pas de gens ça. Eh, grand-mère gros, le abomosé, tata Lily, ma tata Lily d'amour. Tata Lily, j'ai arrêté le gens ça, tata Lily, regarde. Tata Lily, ta petite s'est arrêté le gens ça, maman. J'ai arrêté le gens ça, ma tata Lily, oh, j'ai arrêté tout. Envoie les cœurs, non, mes bébés, vous n'envoyez pas les cœurs, pourquoi? J'ai vu la chérie chez ma voisine, donc, hein, que je suis enceinte. Oh, Géraldine. C'est notre Pauline qui nous dit que c'est la grossesse, maman. Grossesse, j'ai plus ça là. Le monde qui ne fait pas l'amour depuis que je suis au Cameroun là. Depuis que je suis arrivé au Cameroun là, je ne fais pas l'amour avec personne. Tata, quand elle est rentrée, elle fait l'amour à Cardiff là-bas. Je vais porter la grossesse de qui? Non. Je vais vous montrer ma nouvelle gamme. C'est en pharmacie que j'ai acheté ça hier. Monsieur a trop ravi avec le beurre de karité, non. Maintenant, il est changé. Je vous montrer ma nouvelle gamme. On va voir dans une semaine, ça va aussi aller avec moi. Mais ce n'est pas de jansan, ce n'est pas une crème éclaircissante, vous allez voir. Et c'est ça là. Voici ma nouvelle gamme. C'est ça là, mes chéris. Je ne sais pas si vous connaissez, je me lave avec ça. Hein. Elle fait la publicité, non? Ça a grand posé vouloir aller acheter pour elle aussi. Et il faut d'abord, c'est qui fabrique ça pour faire la publicité de la personne. Ah, c'est la crème. Ça va, ça va, je vous vois maintenant, maman.
Et ça, c'est le gel pour se laver. Mais c'est cher quand même. Le nom, c'est... Le nom est inversé. Oh, ben, les gars, c'est Aden. Aden. C'est Aden. Thermal Aden. Thermal Aden. Huile lavant relipidante. Replenishing. Cleansing oil. Cleansing oil. C'est pas cleaner, on a dit cleansing oil. Nettoie en douceur, gently clean. Nourrissons enfants, adultes. Peau très sèche, à tendance au topique. Ou sujette aux démangeaisons. Ou sujet aux démangeaisons. Voilà. C'est un peu ça. Ça avec de l'eau thermale, c'est parfait. Voilà. Voilà Samira qui dit. Samira a dit. Comment tu vas, Samira? Mais quand même, gros, ce qu'elle a utilisé, qu'elle a arrêté. Voilà, maman. Ajoute-lui d'amande douce dedans. Comme ça, maman. Mais vraiment, merci Christine. C'est une pharmacie. Je suis allée à la pharmacie hier. On m'a conseillé ça. Parce que j'ai dit que j'ai arrêté la dépigmentation. Et j'ai mis que le beurre de karité sur moi. Beurre de karité, ça me fait trop. Toujours en train de briller là. Comme ça, je suis sauté ce moment dans l'huile de beignet, mon ami. J'avais demandé qu'elle voulait comme ma peau, qu'est-ce qu'on peut mettre. Tout ce qu'il vient d'arrêter l'audience. Hein. La femme m'a donné ça. Mais cette crème, elle est trop topa là. Mais c'est pas moins cher aussi, mes copines. Hein. C'est pas moins cher. Hein. Ah oui. C'est pas. Mais quoi, j'ai dépensé dans les 20 et poussières de mille comme ça pour les deux, c'est là. J'ai dépensé hier. J'aime le prix sur ça. Mais... Non, le prix là, c'est effacé. Donc, vous avez ça. Ça, c'est ma nouvelle gamme. C'est au Cameroun, pendant mon séjour au Cameroun là, il va adapter ça. Et puis, même qu'elle va rentrer en Europe, hein, il va commencer à mettre mon Nivea normal là. Tout j'ai dit que je vois, je mets ses mains. Parce que moi en Europe, c'est moi le calcaire va me nettoyer. Ajoute-lui d'amande douce et se l'étape, ta peau sera très belle. Et c'est l'aide, avant ça va être. Merci maman. Je vais chercher lui la mandouze demain, maman. Je vais chercher dans le mot de vie. Je ne vais pas mettre le beurre de karité dedans. Achète lui la mandouze à la pharmacie. Ok, ma tata, je vais acheter ça demain. Demain, j'achète ça à ma tata chérie. Je mélange avec. Merci, tata. Merci. Mes amours de frères et sœurs, vous savez que la reine galloise, moi, elle est direct comme ça, vous parlez des gens, je n'aime pas trop. Vous parlez, je n'aime pas trop. Mais c'est quand je vis une situation où je viens parler. Les directs qu'elle, on m'appelle que l'autre, c'est à faire ça. Je n'aime pas venir parler des gens, parler. Ce n'est pas mon. C'est pas dans moi. Mais quand j'ai vu une situation, je dois venir parler de la situation que j'ai vécue. Donc, c'était vraiment très dommage. Très vraiment, je ne sais pas. Ça me faisait très mal au fait. Parce que je voyais même les clients en salle. Les clients en salle, tu vois dans le regard des clients. C'est comme si les clients sont là, qu'elle, c'est le repas là. Nada chop le bruit billet. Et pourtant, ce n'est pas bien quand c'est le repas qui amène ses mains, quand ce n'est que le repas qui t'amène dans un restaurant. Le repas doit accompagner avec l'accueil aussi. Avec l'accueil du restaurant, là, le service, c'est très important. Le service, donc, quand tu viens manger au restaurant, ce n'est pas que tu peux préparer chez toi. Tu peux bien cuisiner chez toi, même plus mieux que ça. Tu peux même bien payer, même quelqu'un, la personne vient même cuisiner chez toi. Mais si on choisit venir manger dans un restaurant, c'est là parce qu'on aime déjà la nourriture de cette personne et on aime aussi cette personne-là, la personnalité même qui est derrière le restaurant, on aime ça. Hein? J'ai dit aujourd'hui, je suis partie avec mes 5 personnes là-bas. Donc, on fait nous 5 personnes. On arrive à encore pareil. Merde!
Celle-là même dit, elle était même mieux. Oh, maman. L'autre là qui était aujourd'hui là, avec le petit corps, comme pour le blue, donc un genre là. Maman. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Même pour prendre la commande, tu as peur. Donc même pour commander même, ce que tu veux, tu es intimidé par le regard de la serveuse. Mais mon ami, tu es intimidé par le regard. Ah mais donc tu as même peut-être ton bon gars. Ou bien tu as même quelqu'un, les gens qui te respectent, les personnes. Parce que Tania Mons, c'est une personnalité. Hein. Tania Mons, c'est une personnalité, c'est pas n'importe qui. C'est des personnes qui mangent dans des grands, très grands restaurants. Très, très grands restaurants de luxe. Allez même là-bas, mais Africa, vous savez même pas son niveau là-bas. C'est parce que comme je suis, c'est que je suis là, donc allons un peu là-bas, là, voilà un peu. Elle aime tout le rose tandy, tout le high level. Et quand on a découvert là-bas hier, elle-même, elle a aimé. On est reparti là-bas aujourd'hui, là. Nous sommes repartis là-bas aujourd'hui. Mako, quand la fille vient nous donner d'abord la carte d'abord. Hey! Maman, il y avait le bol. Il y avait le bol au menu. Le kelen-kelen au menu, viande de brousse. Il y avait, comment on appelle, le coquille. Aujourd'hui, là, non. Il y avait, je me rappelle, non, comme c'est, je me rappelle, pépé soupe poisson. Il y avait la basket, sauce basket, tout ça, là. Il y avait la sauce gombo crabe. Vous savez que je me rappelle du menu, non. Vous avez vu. Je donne tout le menu d'aujourd'hui, là. Pourquoi on dit que je manque. Je donne tout le menu qu'il y avait à Africa Foot aujourd'hui. Vous avez vu que je commence au menu depuis le haut, la coquille, bol, le bongo, bongo scago, quel est bien de brousse, bon, ça veut dire poisson, pépé sous bouillon, sauce basquaise. Vous avez vu, en bas là, il y a maintenant les grillades. Vous avez vu que j'étais là-bas. Mais si elle ne donne pas le menu, on va dire, mais est-ce qu'elle était là-bas? Mais quand elle-même, elle va comprendre ça. Si elle voit le direct, si elle va voir que non. Elle a donné le menu d'aujourd'hui, elle était là. Ma copine, elle vient d'abord prendre le... Elle vient donner le menu. Elle tourne, elle ne faut qu'entrer, elle sort. Tu ne sais pas ce qu'elles font vraiment. Elles entrent, elles sortent. Tu ne les vois pas avec les plats venus servir les gens, non. C'est ma entrée, sortie, entrée, sortie, entrée, sortie. Après les menus, prendre le menu. Tu veux quoi, madame? Je donne le menu. Elle dit qu'il y a ça. Non, il n'y a pas, on n'a pas ça. On n'a pas ça aujourd'hui là. On n'a pas le. Non, on n'a pas. C'est fini. Non, on n'aura pas aujourd'hui. Hey, Mes copines. J'ai regardé un peu l'air de Tania Mode. Elle dit, ah, il faut vous en parler. J'ai pas le j'ai pris le quoi là, la sauce basquets. Elle a pris le mes gens ont commandé là. Maman, mes soeurs, mes chers frères et soeurs, boisson, j'ai pris le jus, l'autre a pris la Guinness, tout là. Il n'y a rien. La serveuse n'a rien de. Je ne sais pas. Je crois que c'est que quand les stars arrivent là-bas, ils courent derrière les stars, ils sourient beaucoup. Hein. Géraldine, tu parles là-bas, maman, tu vas venir me dire. Si tu vas là-bas, tu vas dire que maman, la reine, tu avais raison, la reine galloise. Marie, tu as une belle peau. Merci beaucoup, Cindy Marie. Mako, tu parles là-bas, Géraldine, tu vas venir me dire que maman, tu as raison, la reine galloise. La serveuse, on n'a même pas fait, hein? Le Jacques, rien. Froissé. Constipé. Comme les cacas durs dans l'anus. Qui ne veut pas sortir. Que tu fais. Ça ne sort pas là. Maman, elle avait les yeux, maman. Dame Yakmi, maman. Dame Yakzabo, nous mis là. Avant que tu vois, maman, Dame Yakma, maman, avant Dieu. En gros, Dieu. Ah, mais tu n'y as. Mes copines, comme ça. Et d'autres clients étaient là, ils attendaient. Et c'est un restaurant qui entre. Je vous dis que la femme la prépare. Ce n'est pas le bébé. Ce n'est pas la publicité que je fais, parce qu'il y a d'abord une star. Elle prépare. La femme la cuisine, maman.
Ah. Donc tu manges son repas, tu as tout envie de partir, va manger. C'est pas un truc qu'elle a fait. La cuisine, elle prépare, elle touche. C'est bien fait. C'est bien fait. Je vais encore, là, je vais encore partir là-bas. Mais je vais, quand elle va me masquer. Parce que je vais faire le direct, c'est là, les femmes là me voient que j'ai fait le direct, on m'empoisonne là-bas comme un jeune maman. Je veux repartir là-bas, Nyama, parce que pas les sangs là-bas, Nyama. Je veux repartir là-bas, Nyama, un jour. Mais je veux me masquer. Je veux m'habiller comme un homme. Mettre la casquette, mettre les lunettes. Je veux me chercher ma démarche comme ça. Faire un peu un genre. Après, moi, je fuis, je sors, moi, et pas. Je paye, je fuis, moi, et pas. Je ne vais pas dire que. Parce qu'on ne sait jamais. On va dire que la reine de l'Oise a fait le direct sur vous. Peut-être qu'on me piéger là-bas, maman, pardon. Tu as bien fait d'en parler, ma reine, car peut-être que Amy. Dani ne sait même pas ce qu'elles font dans son dos. Christy, elle m'a été dit qu'elle m'a. Je n'étais pas la seule là-bas. Et quand je sortais, quand elle a fait comme ça, constipée. Donc, après, elle nous a servi, hein, mes cours. Pour le service, hein. Après, quand les nourritures ont été prêtes, elle est venue déposer. Ce qui me plaît là-bas, c'est que tu n'attends pas longtemps pour la nourriture. Tu n'attends pas longtemps. La nourriture sort vite de la cuisine. Donc, quand tu commandes, c'est entre 10 minutes. 10 minutes même, c'est même beaucoup. La nourriture sort, est bien servie. La nourriture sort, juste, tu manges parce que tu sens que non, tu as mangé. Bien fait, bien soigné. Mais le problème, c'est la réception. La réception. Non, ma, même quand on connaît que un restaurant entre parce que c'est comme ça, il y a la nourriture, on ne peut pas bien. Ma. Il faut apprendre à. Moi, j'avais pitié des grands messieurs qui arrivaient là-bas. Ça me fait mal parce que je suis une serveuse, je suis une ancienne serveuse. Donc quand j'arrive à quelque part où il y a le service, je suis très contente. En partant, vous laissez-moi le pouvoir que les filles continuent comme ça. Courage, je suis une ancienne collègue. Mais quand j'arrive à une place, je vois que les filles sont constipées. Les filles ont tout le visage, genre, elles te voient d'abord entrer. Non, ma. C'est aux gens qui disent que tu n'existais pas. Hey! Mais Tonya. Mais Tonya, est-ce qu'il me donne beaucoup ce que c'est chez Emine dans là-bas? C'est chez elle, c'est sa réputation, hein? Yeah, it's a reputation. C'est sa réputation. Parce qu'après, on va lui dire. Non, mais c'est pas possible. Elle te regarde d'abord, elle est au bas. Elle ne vient même pas t'accueillir pour te mettre sur la chaise. Bonsoir, monsieur, bonsoir, madame. Soyez la bienvenue. Merci d'avoir choisi notre restaurant. J'espère que vous allez vous plaire, tout et tout, tout ça. Et tu vois un peu le genre, coucou, bonsoir monsieur, bonsoir madame. Oh, bienvenue au restaurant. Je ne sais pas, fait quelle faute. Allez, ça coûte quoi? Ne dis même pas bonsoir, je ne vais même pas accueillir les gens pour les mettre sur la chaise. Mais venez quand même avec le sourire, que bonsoir, vous allez bien. Merci, allez la carte. Regarde maman. Bon, donc c'est toi-même qui appelle. Ouais, ma cause, c'est comment, non? Je ne mange pas, ma. Mais, gars, je vais vous regarder ici, là, maman, c'est comment? C'est toi-même qui fais le jacques. Eh, na wati. Il n'y a pas de bonsoir. Non, mais je crois que c'est les personnes qui sont seulement, qui sont complexées. Eux, les bonsoirs, c'est seulement quand ils voient d'autres stars, là. D'autres stars du Cameroun, là. Si une star du Cameroun arrive, les populaires, les stars du Cameroun populaires, là, s'ils arrivent, vont aller vers lui. Bonne arrivée, juste pour les gens même qui viennent entrer. D'abord, les stars du pays, là, même quand ils arrivent au repas, ils ne payent même pas. C'est les gens qui mangent dans le job. Ces gens là-bas qui viennent avoir même chez toi, mais c'est pas parce qu'ils viennent chez toi, mais c'est là ta publicité qui te fait. Bonne, c'est un fait gratuit. Ils payent quoi, maman? C'est des personnes, nous, on aime là, qui viennent payer dans les restaurants. Donc arrêtez de vouloir tout vous agiter derrière des personnes. Eux sont déjà des stars. Déjà ils sont arrivés chez toi, là, c'est la publicité qu'ils font déjà. Pour eux, quand ils ont publicité, ils sont en train de faire ta publicité. Donc ça, c'est même pas facile pour eux de payer comme ça. Parce que pour eux, c'est qu'ils sont déjà. Et ils viennent payer quoi? C'est même un honneur de les avoir dans ton restaurant, à ta honneur. Hein? Nadine Malouta, merci beaucoup pour les cœurs, bébé. La souris, le sourire, c'est primordial, primordial. Oh, Samira, il fallait, je dis, d'abord, je veux repartir là-bas, Rora. Je ne vais pas me cacher. Elles vont voir que c'est moi qui est revenu là-bas. Je veux repartir là-bas. Hé,
dirait on vient là-bas demander que pardon, pardonne-nous à manger. Pardon, on a faim. Pourtant, on vient, on a payé l'argent. On vient, on a payé notre argent pour manger. L'accueil, bracata. Serveuse, bracata. Repas, en premier niveau. Repas, le high level. La nourriture, c'est bien soigné. Tu manges juste un petit mal de ventre. Rien, tout est nyanga. Non, mais un restaurant s'accompagne avec son service. Hein. Ce qui fait le restaurant, c'est le service. Mais si tu as un restaurant que les gens entrent chez toi jusqu'à... Si l'accueil n'est pas chaleureux, si l'accueil est bizarre, les gens vont fuir. Il faut que Amy passe. On appelle Amy qui l'a marre. Il faut que Amy comprenne ça. Par contre, African Gris, c'est tout avec African Gris. Là-bas, c'est bien. Ils accueillent bien les gens là-bas. Ils te mettent sur la table. Ils sont accueillants là-bas. Grave. C'est bizarre quand même que African Food là-bas, ils sont bizarres. Ouais. Pourtant, c'est la même personne. Hein. C'est bizarre que African Food. Mais parce que African Food, c'est les 2500, 3000. Pourtant, à la grille là-bas, c'est mon mari à l'argent. Maman, elle est tout dans ton grille là, maman. Dans sa grille là, la grille qu'elle a fait là. Oh! Plateau, Dieu, au moins dans les 8000, 7000, 10000, tout et tout là. C'est pas tout le monde qui mange là-bas. Hein. Ah oui, mes chéris, hein. C'est moi le gris, tu veux le mix gris, tout et tout là. Tu veux là dans les 50000. Hein. Ah ouais. La grille, chez toi là, c'est pas un petit jour. Moi. Ah bon, Mouni? Là-bas, le service est grand. Mais comme c'est les 2500, 3000 là. En tout moment, il y a des gens qui ont dit, je vais te dire, maman. Merci Gabriel. Gabriel Pindjou, merci pour les cœurs. Mais chérie, posez-moi les questions. Alors je vous réponds même ces deux questions. On va dormir, nous. Maintenant. Igor, cela, merci bien. Posez-moi vos questions. On est fatigué, on va dormir, nous. C'était mon petit japon de ce soir. Nous, on a mangé. Nous, cinq là, comme ça. La facture a fait 20 000. La facture a fait 20 000. J'ai dit, hey. La facture a fait 19 500. J'ai laissé 500 là-bas. Je peux m'attendre mes 500 parties. Mais moi, je suis une personne que. Quand je vous dis, j'ai travaillé dans les restaurants. Donc, le pouvoir pour moi est très important. Mais tu te comportes comment, hein? J'ai quand même laissé même ces 200 dans la caisse avant de partir. Parce que c'était mon métier. Mais j'aimerais conseiller les filles de African Food. Peut-être vous ne suivez pas mes directs. Vous ne me connaissez pas peut-être. Moi, on va vous dire, c'est vos camarades qui me suivent, on vous dit que la règle a parlé de vous. Soignez l'image de ce restaurant-là. Parce que c'est un restaurant de qualité. C'est un restaurant où la cuisine est faite. Donc, la cuisine est bien faite. Cette femme-là a mis l'argent dans ce restaurant-là. Cette femme-là, je ne sais pas. Donc, elle a quoi? Elle a l'art culinaire. Oui. Et? Marco, c'est l'art culinaire ou bien l'art capillé? J'aime bien parler au français, c'est Marco. C'est culinaire. Oui. Elle a l'art culinaire. Elle sait préparer. C'est pas le rond, elle sait préparer. Mes chers frères et sœurs, elle connaît préparer. Je demande aux serveuses de African Food, changez votre caractère. Soyez plus accueillantes. Sinon, vous mourrez devant vous prochainement. Vous connaissez que je n'ai pas peur de quelqu'un. Hein? Même votre patron va devenir direct. Hey, si tu n'as pas appris ce qu'on appelle le catering, si tu n'as pas appris le service au test et venu ouvrir le restaurant, là, il faut encore aller à l'école apprendre comment on accueille les gens. Je te parle ça en tant qu'ancienne. Moi, j'ai été serveuse. Quand tu arrives au travail, tu dois laisser tes soucis à la porte. Marco, Cabrel, ces femmes-là, c'est même pas qu'elles ont les soucis à la porte. C'est que c'est leur façon d'être. C'est les filles qui sont déjà très mal bizarres. Donc, quand tu recrutes mes déchets, il faut même voir l'apparence des gens, même quand même. Douce nuit, la famille. Douce nuit, bébé. Moi, on va aller dormir, mes chéris. Allons nous dormir, pardon. Oui, il m'a servi, mon bébé. L'art culinaire. Quand vous recrutez, mais souvent, les gens, même dans vos restaurants ici au Cameroun, regardez les personnes. Moi, je ne blague pas. Hein. Moi, quand je vais manger dans un restaurant au Cameroun, ici à Douala,
C'est le service pour Akata. Je me lève, je te dis, Hora, parce que je suis une ancienne serveuse. C'est mon domaine. Quand tu es dans ton domaine, tu ne donnes pas le lait. Tu ne dis à la, tu redresses la personne que pour que tu avances. C'est ça même qui m'a aidé à arriver où je suis arrivé là. C'est grâce à ça que j'ai même quitté le 237. C'était mon bon service là. Être toujours au service du client. Obéir toujours au client. Le sourire, même quand tu es énervé, tu souris. C'est ça. Maman Nangaï, tu viens dans un restaurant, c'est comme si c'est. Comme si tu venais dire pardon, je veux manger. Comme si tu venais faire un bon restaurant là, mec. Pourtant, tu viens payer ton argent. La réception de ça, c'est le genre. Comme ça. Dieu, bon foi, ça, mon sobe. Oui, madame, j'arrive. Non, on n'a pas mangé. Non, il n'y a pas son menu aujourd'hui, madame. Mais même c'est pas la voix de ça. La voix de ça, maman. On n'a pas ça. Toujours de parler fort. Je négocie le voyage ici, là. Je viens chop la vie avec toi, ma bique. Oh, Géraldine, je suis encore là, bébé. Viens, mon bébé chéri. Viens, viens t'amener manger là-bas. Comment tu vas voir? Comme tu connais la main, je suis sûr que tu vas seulement aller parler mal directement. Tu ne vas même pas supporter. Ouais. Géraldine, toi je connais la Géraldine. Tu vas seulement aller taper là-bas même. Tu vas seulement aller taper. Il fallait voir comment il y avait les grands messieurs, les grandes dames là-bas. Et le restaurant était full. Les gens ne veulent pas entrer. C'est alors qu'il était au coin là-bas, maman. Restez souvent au centre. Et quand je sors maintenant, je vois certaines grandes dames là aussi. Elle me voit, la reine galo. Elle dit oui, maman, c'est comment? Je vais parler directement des serveuses là. Et moi, c'est pas une fois dire, maman, on est habitué à ça. On sent qu'elle se comporte ici. Hey! Je dis pardon. Elle dit oui, c'est comme ça se comporte ici là. On est habitué à elle comme ça. On va faire comment? Oh! Oh, mais Tonya! La femme là, dit, les femmes là, elles viennent manger là-bas chaque fois parce qu'elles travaillent aux alentours. Elles vont seulement dire que c'est comme ça qu'elles se comportent là-bas. Donc, c'est pas une première fois. C'est une question d'habitude. Maman, Emine ne sait pas ça, maman. Elle ne connaît pas ça. Oh, mais c'est qu'il n'y a pas seulement des serveuses à Douala, maman. Oh, d'abord, j'ai travaillé en pharmacie. Les clients venaient que pour notre accueil. Je t'ai dit non, il m'a servi. À la cigale là-bas, à Bonando. Il fallait voir comment la cigale. Je suis fille de la cigale. L'ancien cigale à Bonando là-bas. À côté de l'ancien bingo. Entre la maison que papa Kajé vient et l'hôtel à Falaise. L'hôtel à Falaise de Bonanjo là-bas, non? C'est dans la Falaise de Bonanjo. L'ancien cigale, pour ceux qui ont connu la cigale, à l'époque, Mariama, la cigale, c'était nous. Oh, il fallait voir l'accueil chez nous là-bas, la cigale, mes chers frères et sœurs. Il fallait voir l'accueil. Mais quoi, tu n'avais pas besoin de partir le blanc la nuit là dormir. Tu n'as même pas besoin de dire que les blancs sont là. C'est même les filles qui quittaient de Aqua, les filles du Bataclan. Je vois souvent, quand les filles arrivent, même quand les pétroliers arrivent, j'appelle les filles de Bataclan, ou même d'Aqua. Les numéros des filles, des prostituées, j'avais souvent là que pour les deux les clients. Maman se moquait de moi quand même. Oh, que tu cherches pour toi les blancs ici, tu donnes plutôt ça aux filles. J'avais les numéros des filles là que je les appelle. Que mes co, ils sont là, il y a l'arrivage. Tu veux quand tu arrives, tu as au moins 10 000 que tu vas me donner. Donc si vous êtes 5 000, au moins 50 000 là-bas. Que tu, je te donne un blanc, tu me donnes au moins 10 000. Un blanc 10 000. Si vous êtes 5 là, ça vous dépense mes 50 000 déjà dans mes poches. Parce que quand tu es sérieux, il y a encore le business derrière le service. Là. Il y a certains clients qui évitent de repartir dans un restaurant pour éviter de voir les visage froissé. Oui, Cabrel, c'est ça. Même quand la nourriture est bonne, tu fuis toi.
Tu as envie d'aller manger, je vais manger là-bas, pourquoi? Je ne vais pas là-bas manger, pourquoi? Avec la façon dont on se comporte là-bas, je vais aller manger, pourquoi? Tu ne parles pas, toi. Mes copines, je dis qu'à la cigale là-bas, mes co, je n'étais pas obligée de dire, attends, je partais avec le blanc parce que je voulais partir avec le blanc. Parce que je voulais go avec le blanc. J'avais déjà mon argent. C'est moi la gentillesse qui me mettait l'argent dans la poche. La gentillesse. Le genre, les gens qui arrivent, les grandes personnalités du pays qui arrivent, qui entrent là-bas là. On arrive, tonton. Oh, tonton. Hé hey! Même le client demande que, hey, ma fille, je t'appelle à tonton, il te casse le moral, hein. Tonton. Si tu ne veux me graguer, tu ne me gragues plus. Bon arrivé tonton, je te connais même pas. Bonsoir tonton, bonsoir maman, bonsoir tata. Bon arrivé. Oh, tata, je vous mets à quelle place? Là-bas, c'est bon. Oh, maman, tu es très accueillante. Maman. La reine galloise, vous ne me connaissez pas bien. Vous ne me connaissez pas bien. Ceux qui connaissent la cigale, qui m'ont vu travailler là-bas, vont dire c'est la vérité ce qu'elle dit. Accueillante jusqu'à. Et c'est comme quand je vais rentrer, les femmes venaient manger avec les gars. Quand tu veux rentrer, elle met le pourboire dans la caisse, dans le plat. Dès qu'elle se lève, elle m'appelle encore. Elles sont 30 000, 20 000. Bébé, prends. Achète quelque chose pour toi. Achète une bonne chemise pour toi ou bien un pantalon. Hein. Achète. Mets-toi à l'aise. Fais-toi plaisir. Merci tata. Merci tonton. Merci. Maman, mets-toi. Il y a les clients qui arrivent là-bas, ils m'achètent le portable. Je dis que s'il y a 100 clients qui ont entré, ils vont me dire que j'ai pas moi le téléphone. Pourtant, j'ai le téléphone. Au portable, 100 000 pour le portable, 50 000 pour le portable, 100 000 pour le portable, 200 000 pour le portable. Quoi que c'est quoi? C'est la nourriture de boire comme ça, jusqu'à les gens disent être habitués. Maman. Mais elle ne peut pas bien, hein, Géraldine. Elle ne peut pas très bien, franchement. Même moi, je suis même tout reparti là-bas. Le jour où je n'ai pas me parler à la maison ici, là, j'ai envie de manger un peu, changer. Je ne vais pas là-bas manger ma cour. Elle ne peut pas très bien là-bas. Elle cuisine bien. Même le African Grey là-bas. Tu vas découvrir African Grey. African, c'est tout pas loin de là-bas même. C'est tout elle qui est African Grey. Même là-bas, elle fait bien. Par contre, on n'a pas mangé chez Poupi. Mais on va repartir là-bas. Parce que quand elle va revenir au Cameroun là, on va repartir manger chez Poupi là-bas. On n'avait pas vu le menu du Pamarais là. On va repartir à manger. 15 ZM, comment tu vas bébé? Bonsoir 15. Mes chéris, vous laissez-moi. Bonne nuit alors, bébé. Bonne nuit mes bébés. Bonne nuit. Envoie les cœurs pour vous-même qui étaient connectés. Envoie les cœurs pour vous-même. On se dit bonne nuit dans la team Asda. Mes amours de frères et sœurs, je vous aime. Ce petit direct, c'était juste pour taper le Japon par rapport au restaurant africain foot, la marraine. Je pense que c'est un problème dans tout le domaine du commerce. Je suis allé accompagner une amie dernièrement faire ses achats. Mais tellement la vendeuse me présentait les articles avec courtoisie que j'ai acheté un pantalon que je n'avais pas prévu. T'as vu? Qu'avec le CV? Il y a des clients qui arrivent à la cigale. Eux, ils viennent seulement prendre un pot. Ils viennent prendre seulement le pot et ils vont dire après, ils sortent. Un pot seulement. Mais l'accueil, la façon dont nous prenons, nous accueillissons. On dit nous accueillissons, nous accueillons. La façon dont nous accueillissons, c'est ces clients-là. La façon dont nous recevons ces clients-là. Ah, c'est que le client prend le champagne maintenant. Un client qui vient au restaurant, il a prévu que 10 000 francs CFA, 15 000, 20 000, qui ne dépense pas plus de 20 000. Tu l'accueilles tellement bien. Oh! Avant de dire que Koumbaya, je suis où ici là? Tu as dépensé 150 000. À cause de ta bonne bouche. Ta façon de l'accueillir. Ta façon de dire merci. Ta façon de l'accompagner.
Donc tout, hein? Ta façon de tout venir demander que ça va, tu vas bien, est-ce que le repas est bien fait, monsieur, madame, est-ce que vous avez bien mangé, est-ce que ça passe, madame. Donc vous, tu poses toute la question. Par contre, tu sers la nourriture au client comme ça, tac, tu pars à toi. Après, tu vas seulement te débarrasser quand le client a fini. Oh, madame, bon appétit, madame. Est-ce que vous aimez le repas? Oui, ça va, merci. Oh, Seigneur. Ouais, franchement. Bon appétit, mon grand. Bon appétit, mon master. Bon appétit, madame. Bon appétit, monsieur. Est-ce que vous aimez le repas, monsieur? Vous demandez un peu au client si c'est que le repas est en train de ça descend bien. Si l'autre, comment il trouve le repas, ou bien comment vous trouvez maman, ma copine. Accueillons la reine. Ok, accueillons Cabrel, merci. Merci Cabrel. La façon dont nous accueillons ces clients, pousser les clients à consommer plus, attirer les clients, faisant en sorte que les clients revenaient. Et les clients nous amenaient encore même des amis qui ne nous connaissaient pas. Nos clients nous amenaient encore la clientèle que non, il y a un restaurant, la Cigale. La Cigale à Bonandio, là-bas c'est la magie. Hein? Allons à la Cigale, là-bas tu seras à l'aise. Quand le client arrive, quand il sort, tu vois, il est soit avec le sourire, il te dit mais merci, il a passé de bons moments. Mais chérie, c'était un restaurant. La Cigale était un restaurant, hein. C'était un restaurant cabaret et tout. Hein. C'était un restaurant cabaret. Le reste à la restauration, il y allait l'accueil. Au cabaret, on était même salon le Terminator. Oh, maman. Le client enjoy jusqu'à ce que. C'est pas possible. Tu amènes le client à venir chaque fois. Maman, l'Hélène Méni, bonsoir, ma star chérie. Il va seulement te dire bonne nuit, non, l'Hélène. Bonne nuit, Cabrel. Bonne nuit. Mes amours, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, mes chouchous. Géraldine, bonne nuit, mon bébé. Bonne nuit, la team. Ima Sylvie, bonne nuit, mon bébé. Bonne nuit à toute la team. Bonne nuit, mes chéris. Que Dieu vous bénisse. Demain, on va faire un direct. Mais il faut que je charge bien mon téléphone maintenant parce que demain, on va nous couper la lumière ici, là, de 6h à 17h. On a envoyé la lettre. Kenéo va couper ici de 6h à 17h. Il faut que je charge bien mon téléphone là. Et comme demain je vais sortir, je vais amener les enfants dehors. Donc. Parfois, tu accueilles bien le client. À la fin de son repas, il ne te donne même pas de type. Un signe avare, ma chérie, il va te dire non, maman. Quand déjà tu as un restaurant, maman, sache que l'accueil est très important. N'accueille pas le client parce que tu attends qu'il te donne un pas de type là. Le repas. L'accueil accompagne, le service accompagne ce que le client va manger. Ne sers pas un client, ne viens pas servir le client en pensant, en mettant dans la tête que le client va. Donc, ne fais pas du bien, ne souris pas, ne sois pas poli parce que tu comptes ce qui est dans la peau du client. Ce n'est pas bon, maman. Ce qui est marrant, tu ne fais pas, tu n'es pas dans le, ce n'est pas ton domaine là-bas. Les vraies personnes, ils font dans la restauration. Les vraies personnes, c'est d'abord des mamans, c'est d'abord des personnes qui sont d'abord maternelles. Des gens qui font dans la restauration, bien, c'est des gens qui sont aimables. C'est des personnes qui sont full. Donc, c'est des personnes qui sont pleines d'amour. Parce que la restauration, c'est la patience, c'est beaucoup d'amour. Oui. La restauration, c'est beaucoup de temps. Tu ne te lèves pas, tu fais le restaurant comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, parce que tu veux faire plaisir au monde entier. Non. Pour faire le restaurant, il faut être sûr que tu vas accueillir ces personnes-là qui viennent, qui vont prendre le temps de venir manger chez toi. Et tu vas bien les servir. Et tu vas bien les remercier. C'est tout ça qui va avec. Sans attendre ce qui va sortir de sa poche comme un cadeau. Parce que ce qui te paye déjà, le paiement qu'il te donne par rapport à la nourriture, c'est ça qui est important. C'est quand le client mange et il part sans te payer que c'est mauvais. Le type, c'est zéro. Le payeur, il n'a pas de type là. Le pourboire, c'est rien. Parce qu'un client peut venir aujourd'hui, il te donne, tu as accueilli le client bien, bien, bien là.
ils ne te donnent pas de pouvoir aujourd'hui là. Ils ne te donnent rien. Pourtant, tu as accueilli avec amour. Il revient le lendemain. Ce n'est pas pour boire qu'il te donne, c'est moi qui te donne une enveloppe même pour changer ta vie. Soyez intelligents, les filles, pardon. On a fait ce métier-là. On connaît ce qu'il y a dedans. On connaît ce qu'il y a dedans. Ne voyez pas les gens. L'apparence est trompeuse. Tu vois une personnalité comme ça. Telle personne-ci là qui est. Tu commences à courir derrière pour le servir. Oh, tu ris parce que c'est celui-ci là. L'autre qui est entré là qui est comme ça. Un Jean. C'est ça, Gabriel. Tout doit se faire naturellement sans rien attendre. L'autre qui entre là, qui est un Jean, tu le négliges. Pourtant, celui-là que tu négliges là, voilà quelqu'un qui peut même te. Parce que beaucoup de services là, c'est des gens qui ont faim. Beaucoup de services n'ont pas. Déjà, beaucoup de services qu'on recrute dans les restaurants là. Beaucoup cherchent, ils sont en train de chercher leur vie. Il y a d'autres qui sont serveuses naturellement et d'autres qui sont là pour l'argent. D'autres là sont là, d'autres ont ce qu'on appelle l'amour. L'amour de son prochain. De la façon dont elle te sert là. Quand tu arrives, tu dis que non, c'est celle-là que je veux. Si c'est pas elle, non. Mais il faut voir au Pambis restaurant à Londres là-bas quand je servais. Il y a des clients, quand ils arrivaient, c'est pas bon, ils vont pas, personne ne les sert. Hein. Oh! Il y a des clients au Pambis restaurant à Londres. Là-bas, à Strasbourg, à Londres, là-bas, où je servais là. Il y a des clients que, quand j'ai, si ce n'est pas moi qui viens les servir, refuse. Parce que nous, on attend même la reine mère. Quand on attend la reine mère, vient. Et nous, on m'appelle la reine mère à Londres, même. Membre. Qu'on attend moi, qu'on attend Mariam. Ils ne veulent pas. Quelqu'un d'autre vient les servir. Non. Je te sais comme ça. Oh, comme ça. Je te fais le genre. J'enroule d'abord ton shampoing. Je mets la main derrière la, le dos là. Comme j'ai appris. Je te sais. À tout moment, tu te demandes, ça va mon grand? Tu es sûr que tout va bien? Tu as besoin de quelque chose? Des glaçons? Tu as besoin de... Hey! C'est comme aujourd'hui, là, quand mon jus est fini là-bas, j'ai pris le UCB pamplemousse. Quand c'est fini, vous voyez bien, rebois. Mais personne n'est venu me proposer si vous voulez encore le jus ou pas. Attends. J'ai dit African Foot aujourd'hui. J'avais mon UCB pamplemousse là. J'ai bu ça à la tombe. J'avais tellement soif. Ma bouteille est restée vide. J'avais encore soif. Mais personne n'est venu me proposer. Madame, vous voulez encore notre jus? C'est bon? Ça va? Pour manger là, le repas, c'est comment vous aimez? La façon dont vous parlez. Donc, c'est un peu ça. Mes amours, allez. Bisous, je vous aime, que Dieu vous bénisse. Love you guys. Love you, mes amours. C'était juste un petit japapé pour un peu recadrer un peu certaines personnes qui travaillent dans les restaurants que arrêter de faire que les patrons qui ont souffert pour ouvrir le restaurant là perdent les clients à cause de vous. Vous êtes la serveuse, servez ou bien vous partez. Tu ne veux pas servir, tu pars. Ne viens pas gâter le commerce de quelqu'un qui a souffert pour bâtir son empire. C'est comment?